Bonjour, bonjour. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Bonjour à toutes et à tous. J'espère toujours qu'il y ait des futurs et des jeunes papas qui regardent nos lives. On attend un petit peu qu'il y ait du monde. Et bonjour. C'est déjà notre sixième live avec Mourouku. J'espère que tous ces lives vous ont plu. Et je pense qu'on continuera l'expérience. Pas besoin d'être confiné pour faire des lives. J'ai trouvé ça hyper intéressant. On a reçu des super intervenants. Donc je pense qu'on continuera l'expérience en espérant que vous nous suiviez, bien sûr. On attend encore 1 ou 2 minutes. Ah, je vois que Sécurin vient de se connecter. On va l'inviter tout de suite alors. Salut Marilyn. Salut. Ah, tu nous entends bien? Moi, je t'entends bien. Tu me vois bien? Ouais, super. Très bien. Moi, je ne me vois Ouais. pas. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est bien dans le champ ou pas, si je dois recadrer des trucs. N'hésitez pas à me prévenir. Là, c'est parfait. On te voit bien. On voit tes cosy à côté. J'ai à peu près regardé où ça tombait. Voilà, super. On verra. Parfait. C'est une pro du live. Bon, comment ça va, Marilyn? Tout s'est bien passé, ce confinement? Ouais, ça s'est beaucoup mieux passé qu'on pensait. Ouais. Finalement, on s'est adapté. Comme pour tous les deux ans, on s'adapte. Bon, ouais, ça c'est clair. Bon, moi je suis dans ma chambre, tu vois, j'ai dû m'isoler. Bon, ok. Bon, on a eu quelques questions et c'est souvent les mêmes qui reviennent et ça m'étonne pas parce que je me suis posé la même question moi aussi quand j'ai dû choisir le siège auto de mon fils. Donc, on va poser des questions un peu généralistes sur ton association, sur quel est ton rôle aussi dans cette association et puis sur la réglementation, quel choix du siège auto faire. Et puis j'ai beaucoup de questions un peu plus pratiques et là, ce sera aussi intéressant de pouvoir y répondre. Avec Bon, on plaisir. se donne une petite heure parce qu'au-delà d'une heure, on ne peut plus passer en IGTV. Mais bon, on verra comment ça se passe et puis on avisera. S'il y a encore des questions, on fera un live. Bien. Bon, allez, on démarre tout de suite. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous présenter ton association, ce que tu fais, pourquoi tu as développé cette association? Il y avait vraiment une demande, j'imagine. Et puis, voilà, je te laisse la parole. Et bah, du coup, moi, j'ai fondé le site Sécurange toute seule il y a à peu près 7 ans maintenant. Ça a fait 7 ans en février. Déjà parce que moi, je ne trouvais pas les informations que je voulais. Il y a beaucoup d'informations que je voulais à l'école. Donc, j'ai dû passer pas mal de temps à trouver, à traduire des infos. Et du coup, à titre perso, j'avais beaucoup de données que j'avais trouvées ailleurs, que je me suis décidée à partager en France, en Sécurange. Donc, au départ, j'étais un peu toute seule dans cette aventure. Ce n'était pas une action, hein, c'était juste un site qui est toujours là. Site gratuit, vous pouvez retrouver toutes les infos que vous cherchez au sujet de la sécurité. Et j'ai été bien trouvée par une équipe de gens très motivés qui ont voulu aider, en dire plus qu'avec le site internet. Donc, on a monté l'association Voyager de la route, MySécurange. Et du coup, il y a une équipe d'une quarantaine de bénévoles tout en France pour la direction. Ah, ça coupe. Vous m'entendez mal? Moi, ça va. Ça va? Je vais essayer de parler doucement du coup. Donc, on a monté cette association pour agir partout en France,
dans les écoles, dans les crèches, dans les maternités, auprès d'autres associations, dans des salons, etc. Donc voilà, plus on est nombreux et plus on peut agir et se faire connaître. Voilà. Ok, on me dit que ton son est pas très bon, peut-être parler un peu moins vite. D'accord. Est-ce Apparemment, il y a un écho. Est-ce que je peux baisser un peu le volume? Voilà. On va voir si ça marche mieux et je vais parler doucement. Ok, super. Ok, est-ce que tu peux nous parler, en fait, comment ça se passe les crash tests? Comment toi tu les analyses pour les récupérer ensuite sur ton site? Comment ça fonctionne en fait? En fait, il se trouve que pour être vendu dans le commerce, les sièges auto doivent passer déjà des tests. Ça, c'est obligatoire. Donc, il y a un minimum de tests à passer pour être vendu, sinon, ce n'est pas possible. Donc, déjà, rassurez-vous de ce côté, il y a quand même des tests de base. En revanche, il est quand même entendu aujourd'hui que les tests sont jugés insuffisants par certains organismes. Et donc, il y a des D'accord. organismes qui vont passer des tests supplémentaires. Des tests dans d'autres conditions, des tests plus violents, des tests. Voilà, c'est des tests complémentaires. Et malheureusement, au vu de ces tests, bien, on se rend compte quand même qu'il y a des écarts de qualité entre les produits vendus sur le marché. Pas forcément question de prix, pas forcément question de marque. Il y a un peu de tout. Et du D'accord. coup, voilà, il y a des produits qui sont quand même moins performants que d'autres. Et je trouve assez intéressant d'aller voir ces pratiques auprès de l'ADAC, par exemple, en Allemagne, ou le PCS en Suisse. Et donc, moi, je me suis intéressée à ça à titre perso d'abord, et j'ai eu envie de partager parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre. J'ai un peu vulgarisé le discours et j'ai été choper les infos et essayer de faire moi-même une sélection des meilleurs sièges parmi ces tests-là pour les rediffuser sur le site Sécurange aux gens, voilà, pour que ce soit plus compréhensible, plus accessible. Donc, j'invite les gens vraiment à éviter tous les sièges qui n'ont pas été testés par ces organismes parce qu'on se rend compte quand même qu'on a des mauvaises surprises parfois, autant. Il y a un très très gros panel aujourd'hui, j'ai déjà testé des très bons sièges et je trouve que c'est déjà suffisant de sélectionner parmi ces sièges-là une plus-value déjà aujourd'hui. Ouais. Puis c'est pas une question de tarif, comme tu dis, Alors c'est vrai que globalement, un siège auto, il faut avouer, a un prix. Voilà. Mais parmi les petits prix, on trouve des bonnes choses et parmi les prix très élevés, on trouve des choses moins bonnes. Donc voilà, ce n'est pas une garantie en tant que telle le prix. Ok, on va en parler ensuite, ouais. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer toutes les réglementations en vigueur? J'ai eu beaucoup de questions sur les groupes. 1, 2, 3, etc. Est-ce que tu peux tout nous réexpliquer, la base, et ensuite on parlera justement des sièges évolutifs, bonne ou mauvaise idée, enfin voilà, ce sera un second temps. Je vais essayer de résumer du coup, parce que forcément la réglementation c'est un peu compliqué, et je vous inviterai dans un second temps à ne pas hésiter à aller sur le site Sécurange pour aller voir en détail. Mais en gros, aujourd'hui, il y a deux réglementations qui cohabitent. Donc, comme je vous disais, un siège auto pour être vendu, il doit être donc homologué. Pour être homologué, il passe des tests. Aujourd'hui, il peut passer soit les tests de la réglementation qui est historique, c'est-à-dire celle qui est là depuis longtemps, qui s'appelle R44. Aujourd'hui, c'est la version 0.4 pour être précis. Et du coup, il passe une batterie de crash test qui répond à ça. Dans la réglementation R44, les sièges auto sont comptés par poids. C'est ce que vous connaissez le plus souvent. On a cinq groupes de poids qui vont donc par exemple, pour la coque, on est sur 0,13 kg, puis le groupe 1, 9,18, puis après, on va être sur 15,22, 15,25, et puis ensuite sur 22,36. Donc voilà, c'est découpé en 5, et on doit, en fonction du poids, choisir le siège adapté à son enfant. On s'est rendu compte quand même avec le temps que classer par poids, c'était un peu subjectif. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui ont déjà des poids très élevés mais trop jeunes pour passer au siège d'après, des poids élevés mais trop petits en taille, et vice-versa. D'ailleurs, des petits poids mais très très grands en taille. Et du coup, c'était finalement pas toujours bien adapté. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle maintenant R122. C'est toujours indiqué sur l'étiquette du siège, en fait, hein. On a des étiquettes sur les sièges. Je vais essayer de vous montrer. Il y a des étiquettes sur les sièges. Et celle-ci, par exemple, c'est une R129, alors que celle-ci va être une R44, R129. Donc, celle-ci, par exemple, va être définie en poids, alors que celle que je vous montrais, donc avec R129, maintenant, les sièges sont définis en taille. Donc, l'idée, c'est que ce soit plus précis. Donc, par exemple, sur celle-ci, je vais la reprendre. Je ne sais pas si on voit, mais celle-ci est utilisable de 40 à 83 cm. Donc, du coup, on est plus précis en termes d'utilisation pour l'enfant. Et on essaye d'être vraiment plus adapté à l'enfant qui va utiliser le siège. Donc, c'est très précis. Vous savez qu'entre 40 et 83, vous pouvez utiliser ce siège. Donc, voilà pour les deux réglementations.
Ben, évidemment, la R129, c'est la nouvelle. Elle n'inclut pas que des changements en taille, elle inclut aussi des nouveaux tests plus sévères, des tests en cas de collision latérale. Elle essaye aussi de mettre de plus en plus en place des sièges inédits. J'essaierai d'en parler après. C'est un système de fixation qui fait que vous ne commettez quasiment pas d'erreur d'installation. Voilà. Et elle, à chaque fois, elle essaye d'améliorer, de réduire les risques de mauvaise installation, de faciliter les passages de ceinture. C'est une amélioration de l'ancienne, ce qui ne veut pas dire que tous les sièges de l'ancienne sont mauvais. Attention, hein, c'est juste qu'on est plus exigeant et plus sévère avec la nouvelle réglementation. Du coup, tu conseilles quand même d'utiliser la nouvelle réglementation, pas forcément. Non, pas forcément, vraiment pas forcément. J'ai encore d'excellents sièges sous la nouvelle. Toutes les marques n'ont pas encore eu la possibilité de développer tous leurs sièges sous la nouvelle. Ça demande un budget de changer son cahier des charges. Et ils faisaient déjà d'excellents. En fait, si vous voulez, il y a des gens qui ont homologué des sièges sous l'ancienne réglementation, mais qui avaient déjà eux-mêmes un cahier des charges. Ouais, d'accord. Une réglementation qui était déjà au niveau, clairement, des sièges de la nouvelle. Vraiment. Non, vous en faites pas un prérequis, je veux absolument la nouvelle. Dites-vous simplement que bah voilà, vous savez que c'est un peu plus exigeant si vous avez un doute. C'est plus facile peut-être pour vous de choisir le siège parce qu'avec des tailles, au moins c'est plus factuel, je pense, par rapport au gabarit d'un autre. Et toi, quand tu fais des classements ou des comparatifs de sièges, tu regardes pas l'une ou l'autre des réglementations, tu mixes les deux? Ouais, exactement, pas plus l'une que l'autre. J'ai des sièges des deux réglementations. Dans la sélection. Après, c'est sûr que les nouveaux sièges qui sortent maintenant sont de plus en plus sous la nouvelle. Donc, plus ça va, plus on va archiver les vieilles coques et voir arriver des nouveaux sièges, nouvelles réglementations. Mais il y a encore pas mal d'élus encore aujourd'hui. D'accord. Et ISOFIX, c'est que sur la nouvelle réglementation ou l'ancienne aussi? Non. Sur l'ancienne, il y en avait déjà, il y en a beaucoup. Et sur la nouvelle, c'est de façon plus systématique puisque on veut vraiment réduire le risque d'erreur. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 enfants sur 7 qui sont mal installés dans les voitures parce que les installations sont compliquées. Et donc, petit à petit, vu que toutes les nouvelles voitures sont maintenant équipées automatiquement pour les ISOFIX, on voudrait faire en sorte que tous les nouveaux sièges auto soient de plus en plus ISOFIX pour que les gens n'aient qu'à, du coup, verrouiller le siège dans la voiture. C'est une utilisation qui est vraiment... élémentaire, on va dire. C'est vraiment un connecteur et une barre et clac, on connecte le siège dessus. Donc, en termes de risque d'erreur, on est proche de zéro, pas à zéro quand même, on voit des erreurs. Ouais. Voilà, c'est vraiment important puisqu'on a beau avoir le meilleur siège du monde, s'il est mal installé, malheureusement, il est moins efficace. C'est sûr. Ok. Et du coup, par rapport aux différents groupes et donc aux groupes évolutifs, tu sais, les sièges, je sais même plus le nom, le siège qui font tous les âges, tous les poids, toutes les tailles. C'est la question que tu entends le plus souvent, et du coup, j'en ai vu un peu dans les commentaires sur ton post. Vraiment, contrairement à ce qu'on pense, malgré qu'il y ait des sièges évolutifs qui soient homologués naissance, et des fois beaucoup plus souvent, c'est naissance 4 ans. Après, il y en a qui font même naissance 12 ans, hein, mais restons déjà sur naissance 4 ans, c'est déjà beaucoup. Eh ben, dites-vous bien que déjà naissance 4 ans, c'est souvent une fausse promesse. Contrairement à ce qu'on pense, les sièges qui sont soi-disant évolutifs homologués naissance sont nettement moins adaptés à la naissance pour plusieurs raisons. Déjà pour l'inclinaison. Vous n'aurez jamais une aussi bonne inclinaison que sur une coque. Les coques, elles ont vraiment été conçues pour bébé. Donc en termes de posture et d'inclinaison pour bébé, on a des inclinaisons quasiment parfaites. On a des alignements, je ne sais pas si on voit bien, en colonne qui sont vraiment très bien faites et qu'on ne retrouve malheureusement que très 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 peu sur les sièges évolutifs qui sont souvent beaucoup trop assis et on a souvent le phénomène de la tête qui tombe chez les évolutifs. La deuxième chose, par exemple, toute bête, ça va être la taille des harnais. Un siège qui doit être homologué pour un enfant de 0 à 4 ans va avoir souvent des harnais beaucoup plus larges. Et malheureusement, sur les petites épaules d'un nouveau-né, ça va souvent être très important. Et ensuite, on va fonctionner aussi sur la base de réducteurs. Donc, on va rajouter des surcouches et des surcouches de réducteurs pour s'adapter au bébé. Mais on n'aura jamais ce phénomène, c'est-à-dire ce cocon qui est la coque, qui a été elle-même, on va dire, conçue moulue pour le bébé. Je sais que souvent, les parents s'inquiètent en disant « Oui, je trouve que mon bébé est trop confiné. » C'est le mot d'actualité. Il est serré. Mais il faut vraiment avoir en tête que c'est ce qui protège votre enfant. C'est-à-dire qu'en cas de choc, l'idée, c'est qu'il bouge le moins possible. Donc, il faut qu'il soit enveloppé. Bien sûr, il ne faut pas qu'il soit tout serré. Hein. On parle juste de... Il faut qu'il soit dans un cocon, vraiment un nid, le plus enveloppé possible, que sa tête, surtout sa tête plus fragile,
poil plus calé. Et ça, malheureusement, dans un évolutif, on fait des tests, regarder des vidéos, bah, souvent, malgré le réducteur, on n'a pas cet enveloppement de la tête de la même manière. Donc vraiment, inclinaison, taille du harnais et enveloppement général, vous verrez que ce n'est jamais aussi bien. Dernière petite chose qui est incorrigable de la sécurité, c'est que l'avantage de la coque, c'est que le bébé, quand il s'endort à l'intérieur, il est souvent compatible avec votre poussette. Gardez en tête que ça reste un sirocco, ce n'est pas une poussette, vous ne devez pas l'utiliser constamment sur la poussette, mais quand un bébé dort, ne pas avoir à déranger son sommeil, ne pas avoir à le réveiller quand vous arrivez à destination, vous allez faire vos courses, vous prenez votre coque, vous la clipez sur votre poussette, vous faites vos courses, et vous revenez sans jamais, pardon, sans jamais avoir réveillé votre bébé, ben forcément, c'est un gain, c'est vraiment forcément profitable aussi pour le bébé en termes de confort. Oui. Et du coup, par rapport aux nouvelles nacelles qui se mettent en voiture, t'en penses quoi? Alors, de façon générale, moi, je ne recommande pas l'usage de la nacelle en voiture, parce qu'en fait, positionner ce qu'on appelle de façon perpendiculaire à la route, la tête n'est pas aussi tendue. L'avantage d'être dans un cocon dos à la route, c'est que la tête est vraiment enveloppée et qu'elle restera bien alignée en cocon, alors que sur le côté, elle risque d'avoir à basculer. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle coque, il y a une nouvelle nacelle qui est la seule qui est recommandée sur cette tranche aujourd'hui, qui a un insert à l'intérieur et qui enveloppe vraiment la tête. Donc, elle est chez Bébé Confort pour la citer, du coup, parce que de toute façon, vous pourrez le retrouver sur mon site internet. Et elle a vraiment un insert supplémentaire qui cale la tête à l'intérieur. C'est vraiment la différence en catch-up. Et les tests à date, du coup, là-dessus, sont vraiment très bons. Pour le reste, vraiment, dans tous les cas, ne faites pas d'impasse sur la coque pour un nouveau-né. S'il n'y a pas de raison particulière, pas de problème de santé, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller vers la nacelle. La coque, c'est vraiment le siège naissance, le siège auto-naissance par excellence. Donc toi, tu conseilles la coque dans un premier temps et ensuite le passage à un siège auto plus classique. Exactement. Pourquoi pas un siège évolutif? En fait, tous ces sièges évolutifs pour homologuer naissance, nous, on les recommande à peu près à partir de, suivant le modèle, 6 à 10 mois après la coque, du coup. Hein, après la D'accord. coque. Sachant qu'en plus, la coque, elle peut durer elle-même, contrairement à ce qu'on pense, que j'entends Ouais. souvent, ça dure pas longtemps. La coque, elle est souvent homologuée jusqu'à 13 kilos. On a vu sur ce modèle 83 cm. En vrai, c'est plutôt une moyenne de 10 à 15, voire même plus en mois, de 10 à 15 mois pour un bébé. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, je crois que moi, je l'ai laissé jusqu'à 1 an, tu vois. La Mon moyenne, fils. c'est un Ouais. an. Quand on le sait. Alors, qu'est-ce qui fait aussi la différence? C'est que très souvent aussi, les parents utilisent ce qu'on appelle des combinaisons de ce type. Vous la voyez là, dans les sièges auto. Et ça prend de la place dans le siège. Non seulement ce n'est pas sécure, et je vous expliquerai pourquoi, mais en plus, ça donne cette impression que rapidement, le siège est trop petit. Alors qu'en fait, sans ça, il y a encore une marge très importante, mais là, forcément, l'enfant est engoncé dans le siège et donc ça consomme beaucoup d'espace. Donc, non seulement ce n'est pas sécuritaire, mais en fait, il est très, très important, j'en profite pour faire un rappel, que le harnais soit au plus proche du corps de l'enfant. Parce que ici, contrairement à ce que pensent les parents, même en ayant serré le plus fort que je peux, là, je suis tendue au maximum. J'ai un espace ici qui est vraiment très, très important. J'ai une matière qui va se comprimer en cas d'impact. J'ai un épaule qui risque de glisser. Les épaules qui peuvent passer très, très facilement, malgré le serrage, je peux très facilement retirer le harnais. Donc, j'ai un enfant qui peut glisser de son siège, malheureusement, en utilisant ce type de combinaison. Et en plus, en termes de régulation de chaleur, l'enfant a rapidement trop chaud. Et c'est le genre de chose que malheureusement aussi, vu que c'est compliqué, on n'enlève pas. Donc on laisse, on garde, on rentre, on va faire les courses, on retourne dans la voiture et on laisse toujours ça sur le bébé. Et du coup, en termes, voilà, de régulation de température, c'est pas bon non plus. Donc ni en sécurité, ni en confort, c'est une bonne idée. L'idéal, ou pour l'espace et pour le confort et pour la sécurité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle ce type de couverture-là, qui sont des couvertures dédiées au siège auto. Il y en a pour tous les prix, toutes les marques. Ça peut même être fait maison, si on n'a pas de budget. On ne pense pas même à utiliser une couverture. Ou simplement, il va y avoir ce qu'on appelle des trous. On voit là, il y a un trou pour faire passer le harnais. Une fois que le harnais passe à travers, l'avantage, c'est que je vais pouvoir installer mon bébé et le harnais va être contre le bébé. Et ensuite seulement, je vais le couvrir par-dessus. C'est mieux en sécurité, puisque son harnais est bien contre lui. C'est mieux aussi en confort, puisque quand j'arrive quelque part où il fait chaud, je peux ouvrir, je ressors, je peux refermer. C'est pratique pour vous et c'est plus sécure pour bébé. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Ok. Et justement, en termes de bonnes pratiques pour la coque,
Qu'est-ce que tu conseilles après le placement dans la voiture, dos à la route évidemment, Alors là, mais on comme c'est absolument dos à la route, ça, il n'y a pas de choix possible. Ça s'installe aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Toujours plus sûr derrière à choisir. Maintenant, je sais qu'il y a des parents qui sont inquiets, qui ont besoin de regarder constamment le bébé. Voilà, on peut comprendre. Si vous l'installez vraiment devant, pour les raisons qui sont les vôtres, il faut absolument désactiver l'airbag. Hein, si l'airbag se déclenche derrière la coque, c'est extrêmement dangereux. Donc, on pense à désactiver l'airbag, tout comme on pense à le réactiver quand il y a un adulte qui vient se rasseoir devant. Donc, ça demande des manipulations et d'être attentif. En tout cas, c'est plus. Donc, on installe le siège auto dos à la route, à l'avant ou à l'arrière. Si on le met derrière, on peut aussi installer un miroir panoramique qui vous permet, même derrière, de veiller sur bébé et d'être sûr que tout va bien. Ensuite, on peut utiliser une base ou pas. Donc, pour rassurer les parents, un siège fixé avec la ceinture sans base, si c'est bien fait, c'est tout aussi sûr. La problématique, c'est toujours, comme on disait tout à l'heure, avec les passages ceinture, c'est de faire des erreurs, de mal passer, de vriller. Il y a un petit moyen mnémotechnique pour que vous vérifiez si votre ceinture est bien passée. Ayez en tête que la ceinture ventrale, la ceinture qui elle, est d'habitude sur vos hanches et sur vos cuisses, c'est la ceinture qui doit passer l'avant du siège. C'est celle qui passe sur les genoux du bébé habituellement. Vos jambes, c'est aussi ses jambes. Et la ceinture diagonale, celle qui est d'habitude donc sur votre thorax, c'est celle qui va passer derrière le siège. On a toujours deux ceintures, une devant sur les jambes et une derrière le siège. Donc la diagonale derrière et la ventrale de vos jambes sur les jambes de bébé. Donc ça, c'est vraiment le bon moyen. On a aussi beaucoup de parents qui nous disent souvent quand je secoue ma coque, ça bouge, ils sont inquiets avec la ceinture, ils ne sont pas rassurés. Mais on oublie très souvent que c'est seulement en cas d'impact que la ceinture va se bloquer. Quand vous la bougez comme ça, elle est lâche, elle bouge. Mais une fois que votre installation sera faite, au moindre impact, la ceinture va se bloquer et aujourd'hui, ça a fait ses preuves. Donc vraiment, rassurez-vous que ça bouge quand on secoue, c'est pas grave. Maintenant, OK. la base, l'intérêt, quoi? L'intérêt, c'est de manipulation répétée. Si vous êtes amené à aller tous les jours à la crèche en voiture, que vous devez faire cette installation tous les matins, tous les soirs, une fois papa, une fois maman, forcément, ça peut arriver, les erreurs d'utilisation, à force de le refaire, on reste des êtres humains. Et donc, l'avantage de la base, c'est que la base, elle est installée dans la voiture, l'effort, on l'a fait une fois. On vérifiera une fois de temps en temps que rien n'a bougé, mais globalement, il n'y a pas de raison. Et on n'a plus qu'à verrouiller, déverrouiller, verrouiller, déverrouiller, en un bouton en général, hein, suivant les marques, suivant les manips, on déclipse et on clipse. Donc forcément, on se réduit les manips, on réduit les risques de se tromper. Ok. Du coup, quand est-ce qu'on change de siège après la coque? On Donc, regarde quoi en priorité? Du coup, le poids max du siège, il y a toujours un poids max, le plus souvent c'est 13 kilos. Il doit rester quelques anciens modèles sous 10 kilos à peu près, mais la majorité c'est 13. Ensuite, on regarde la taille. Alors, soit c'est une taille indiquée, comme on disait tout à l'heure sous la nouvelle réglementation, il y a des tailles indiquées. Là, c'était 83 cm sur celle-ci. S'il n'y a pas de taille indiquée sous l'ancienne réglementation, on fait attention à ce que la tête ne dépasse pas du sol. La tête doit toujours être dans l'enceinte. On ne joue pas sur les derniers millimètres. On se laisse bien 1-2 cm sur la fin. Donc, on fait en sorte, je vous montre là, que la tête de bébé soit toujours dans l'enceinte du siège. Donc, elle ne dépasse pas. Et on se laisse, voilà, à peu près une petite marge comme celle-ci. Et qu'elle soit toujours dans ce qu'on appelle la tétée. Ouais, Tant que la d'accord. tête est protégée, qu'on n'a pas atteint le poids max, tout va bien. Les pieds, ce n'est pas un critère. C'est très souvent quelque chose qu'on entend. J'ai un pied qui dépasse, je change. Comme vous voyez ici, on a un tout petit bébé. Les pieds sont déjà au bout. C'est normal. Les pieds dépasseront toujours d'un siège, que ce soit celui-là, ou le siège d'après d'ailleurs, ou même vous quand vous vous asseyez sur une chaise. En gros, les pieds, ça n'est pas un critère pour changer. Voilà. Donc le poids max ou la taille max. Ok. Ah oui, tout à l'heure, tu parlais des sièges évolutifs naissance à 12 ans. Je ne sais même pas si ça existait. Ouais, de plus en plus. C'est très Mais c'est énorme. Donc, comment ça marche en fait? Ça fait office de rehausseur? et c'est ça se transforme. En gros, c'est un Transformers. C'est plus vraiment les autos, c'est un Transformers. Et ça passe de la version naissance avec au moins, il faut compter au moins 4 réducteurs pour arriver à s'adapter pour du 0-10 ans. Donc souvent, on a plein de pièces à détacher. C'est sujet à erreur en plus, parce qu'en fait, le siège lui-même, il a 4 modes d'installation en gros.
Un mode bébé, un mode enfant, des fois deux routes, un mode enfant face route et un mode réhausseur avec la ceinture. Donc, ça fait énormément d'indicateurs en plus sur le stage, puisqu'il y a des passages ceinture. Et Ouais, ceux d'accord. qu'il faut modifier au cours de l'utilisation. C'est-à-dire, quand l'enfant grandit, il faut penser à changer l'installation qui n'est plus adaptée parce que le poids mâle pour cette installation n'est plus bonne. Ça crée des pièces déjà de base compliquées à utiliser, contrairement à ce qu'on pense. Et en plus, ils sont forcément moins sûrs. Dites-vous qu'acheter un siège qui fait 0,12 ans, c'est comme si on vous proposait une paire de chaussures en 39,45. Et vous n'auriez pas idée, en fait, parce que des Vrai. pièces qui sont plus. Vaut mieux, dans la vie de votre enfant, on a l'impression qu'il faut changer tout le temps, ça coûte cher. En gros, sur 0, 10, 12 ans, vous allez avoir besoin de 3 sièges. C'est pas tant que ça, 3 sièges. Le siège bébé sur environ 0,1 an, et ça reste des moyennes hein, en fonction des gabarits de votre enfant. Le siège bébé, ensuite le siège deuxième âge qu'on va avoir justement sur 1, 3, 4 ans, à peu près 4 ans en moyenne. Et ensuite, après 4 ans, on passe au réhausseur entre 4 et 12 ans, suivant aussi le gabarit de son enfant. Donc voilà. En plus, il faut avoir en tête que la coque, ça coûte pas très cher. Elle est souvent vendue avec le pack de la poussette. Le réhausseur, c'est pareil. Il y en a pour tous les prix, mais tout le budget. Celui qu'il faut budgéter, prévoir à l'avance, c'est le siège intermédiaire. Sur le 1-4 ans, c'est le siège le plus compliqué à concevoir. On trouve souvent que c'est cher, mais il faut maintenir un enfant de 18 kilos avec un harnais, maintenir le poids du siège avec. C'est compliqué à concevoir. Le réhausseur, après, c'est moins compliqué que la ceinture qui fait le job. Donc, le réhausseur ne tient pas l'enfant. Le réhausseur, il adapte l'enfant à la ceinture des adultes. Mais vraiment, le plus compliqué, c'est de maintenir un enfant de 9 à 18 kilos avec des harnais, plus maintenir le poids du siège, bien l'envelopper. C'est normal que ce soit un chou qui coûte cher. Essayez d'anticiper son achat un petit peu avant et profitez de la cote au maximum pour pouvoir justement prévoir le budget du siège d'après. Ok. Et pour finir sur la coque, comment on la choisit en fait? Quels sont les critères que l'on doit prendre en compte? Les deux critères principaux, ça va être évidemment les crash tests, la qualité hein, des résultats au test. C'est rare quand elles sont mal notées, ça arrive encore quand même, mais c'est assez rare dans l'ensemble. Aujourd'hui, les coques, c'est un siège facile à concevoir, mais sur des petits poids. Donc, mais on regarde quand même, il y a parfois des mauvaises surprises malheureusement. Et on regarde la compatibilité avec sa poussette, évidemment, puisque c'est tout l'intérêt de la coque. Et je remets dans ma voiture et je remets sur ma poussette. Mais je rappelle encore une fois, on n'oublie pas, c'est un siège auto. C'est pas parce qu'on peut le mettre sur la poussette qu'on passe son temps avec le bébé à l'intérieur. Hein, il Ah faut pas rester des heures dedans. C'est pas tant en voiture, en fait. Même si on fait un Paris-Marseille sur 10 heures de route, on peut faire 10 heures de route en voiture. Ce qui se passe, c'est passer son temps avec son bébé dans cette coque parce que le côté confiné, c'est bien pour protéger le bébé en coque. En revanche, être confiné toute une journée dans une balade, dans une coque, c'est moyen en termes de confort et l'enfant a vraiment besoin de motricité et de bouger. Donc, on fait bien la différence entre 10 heures en voiture, c'est pas grave. On revient toute la journée dans la poussette, non. C'est Oui, pas une. enfin même nous, 10 heures en voiture, on a besoin de Et se voilà. défouler un peu, Dans quoi. tous les cas, on va faire des pauses en voiture, on va se dégourdir, on va donner à manger, on va. Voilà. Donc, on s'inquiète pas sur un long trajet en voiture et on fait l'effort de ne pas considérer sa coque comme une poussette et d'utiliser le plus souvent sa poussette pour les balades et de se dépanner, quoi. C'est-à-dire, je fais les courses, je réveille pas mon bébé, évidemment. Mais Ouais. ça reste des temps courts. Ok. Oui, après, il y a la nacelle pour le quotidien. Exactement, en balade, il y a la nacelle, il y a des fois des assises de poussette qui sont à plat, qui sont très bien dès tout petit, etc. Ouais, exact. Bon, je crois que sur le sujet coque, on a fait le tour. Est-ce que tu vois d'autres sujets à aborder sur la coque, enfin, d'autres Ben, thèmes? on a parlé des fixations, on a parlé de la différence avec la coque et l'évolutif. Je regarde en même temps de ne pas mettre de combi à l'intérieur, ainsi je récapitule un peu, plutôt des couvertures dédiées, de bien faire vos réglages, faites bien vos réglages, les harnais, ça se règle, on peut le voir ici sur le coupon, un harnais, ça doit toujours être au niveau des épaules de l'enfant, que ce soit sur la coque ou le siège d'après, hein. Pensez à bien régler la hauteur des harnais, je vais sortir le bébé, on va bien voir. La mesure de la croissance de l'enfant, ben voilà, ça se règle, hein, ça monte, ça descend. Et du coup, ben, le harnais, il monte et il descend aussi. Donc, on s'adapte vraiment à la croissance de l'enfant. On voit très, très souvent, malheureusement, des sièges qui ne sont pas ajustés pour les enfants. On pense au réglage et on ne change pas trop vite de siège. On en profite, c'est vraiment un siège sûr, la coque, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Ok.
Bon, bah merci. On va passer maintenant au siège auto, donc deuxième âge, c'est ça qu'on dit? Bah déjà, il y en a tellement entre les pivotants, face à la route, dos à la route, bouclier, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, la priorité, vraiment ce qu'il faut prioriser, contrairement à malheureusement la pratique commune en Europe, c'est le dos à la route. C'est-à-dire que tant que votre bébé est petit dans la coque, le dos route est obligatoire. À partir du moment où votre bébé va dépasser le stade de la coque, donc ancienne réglementation, c'était 9 kilos minimum. Nouvelle réglementation, c'est 15 mois minimum. Donc, on a déjà passé un gap du minimum. En revanche, après, vous avez le choix. Vous avez le choix entre le dos et le fast-food. Il faut savoir qu'un enfant qui voyage dos à la route est 5 fois plus en sécurité. C'est-à-dire que garder votre enfant dos à la route de façon durable vous permet de gagner et lui offrir 5 fois plus de sécurité. Pourquoi 5 fois? Qu'est-ce qui se passe en cas de choc? Un enfant qui est face à la route en cas de choc, il va avoir la tête projetée en avant, le cervical étiré et la tête qui retarde en arrière. Ce qu'on appelle le coup du lapin. Pour un adulte, c'est déjà globalement très violent. Pour un enfant, ça peut être dramatique. Un enfant face à la route à seulement 50 km/h, hein, on ne parle pas de choc extrême, à 50 km/h, l'enfant supporte 300 kilos sur la nuque. C'est vraiment très, très violent. C'est énorme. Énorme. En fait, on s'en rend pas compte finalement, parce que voilà, nous, nos cervicales sont déjà. Et pourtant, on le sent. Hein, je sais pas si vous avez déjà freiné brutalement, on sent déjà que ça tire. Imaginez pour un jeune enfant dont les cervicales sont encore pas matures, dont la tête est très, très grosse par rapport au reste du corps, est très lourde. C'est important. Quand on est dos à la route, il se passe quoi? Ben, il se passe tout simplement qu'en fait, on est plaqué au fond du ciel. On est simplement projeté vers l'arrière, ce qui fait que ma tête, elle reste globalement bien dans l'alignement de ma colonne, et donc, ça ne tire pas sur mes cervicales. Donc, je passe de 300 kilos sur la nuque à seulement 50 kilos. C'est 300 kilos, 50 kilos. Je passe donc comment on appelle ça? De 40% de risque de blessure grave à seulement 8% de risque de blessure grave. Donc, ça vaut vraiment le coup. Comme je dis aussi souvent aux parents, n'hésitez pas à faire le test si vous prenez un jour le bus ou le métro, à vous asseoir dans un sens et dans l'autre et à observer ce que vous ressentez en cas de freinage. Vous allez vite voir que dos route, vous êtes beaucoup plus confortable que face route, votre tête va être projetée sur l'avant. Donc, voilà. Entre tous les choix, le meilleur choix à faire, c'est le dos route le plus longtemps possible. Si c'est au moins 2 ans, c'est déjà formidable. Dans l'idéal, jusqu'à 4 ans, c'est bien. Et contrairement à ce qu'on pense, vous ne vous posez pas trop de questions, l'enfant ne s'en pose pas trop non plus, parce qu'en fait, il est peu probable qu'il connaisse autre chose. Pour lui, ce sera normal. Donc, vraiment, il y a des sièges, bien sûr, conçus pour aussi. Hein, on nous pose beaucoup de questions. Les jambes, la visibilité, les sièges de route pour les grands, sont des sièges qui ont été conçus pour ça. Il y a de l'espace pour les jambes, il y a de la visibilité sur l'extérieur. Il y a du confort pour l'enfant, il y a de l'inclinaison, c'est fait pour. Voilà. Ne pensez pas aux sièges qui ne sont pas faits pour en disant, mais oh là là, ça ne va pas avoir de place. Vraiment, mes enfants se portent très très bien. Je regarde, il y a Ouais, deux questions en même temps. mais je viens de voir. iSize. Alors, Alors, sécurité iSize, en plus, ISOFIX, à quoi ça sert? iSize, c'est le nom de cette nouvelle réglementation du coup dont on parlait tout à l'heure, R129, qui s'appelle iSize. L'iSize, c'est justement cette idée de dire, je voudrais de plus en plus que les sièges soient ISOFIX. L'iSize, ça inclut les placements par taille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les collisions en cas de choc latéral, la fixation ISOFIX, et ça inclut, il y a un autre truc qui ne me revient pas en tête, toujours quand on cherche. En tout cas, c'est pas en plus de l'ISOFIX. Un siège iSize, c'est un siège, la nouvelle réglementation, c'est un peu un nom barbare, mais c'est pas en plus de l'ISOFIX. Voilà, c'est juste un nom un peu à la mode aujourd'hui. L'important, c'est surtout ISOFIX. Ça va vous aider surtout à installer, comme on disait tout à l'heure, mieux votre siège de façon plus facile sans vous tromper. Voilà. Un siège ISOFIX, iSize ou pas, à la limite, on s'en fiche un peu tant que c'est notre pratique bonne, c'est pas un problème. Il Et va juste après, la même personne demande le joie. ouais, le spin 360 de la marque Joie. Que ce soit le spin ou le high spin, je vois. Le spin, et c'est sous l'ancienne réglementation, le high spin, c'est la nouvelle version. Sous la nouvelle réglementation, il est high side, justement. Les deux versions sont bien notées. Les crash tests sont bons. C'est un bon siège auto. Voilà. Je ne le recommande pas pour la naissance non plus. Hein, parce que l'inclinaison ne se fait pas pour un nouveau-né. Mais post-coque, c'est un très bon siège. Ok, moi c'est ce que j'ai. J'en suis contente. Voilà. Tu vois?
Ok. Et puis en plus, un bon rapport qualité-prix, je trouve. Oui, en plus, Enfin. ils ont une marque joie est globalement abordable et ça, c'est un vrai plus, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Alors du coup, oui, parmi tous ces sièges justement, donc ça c'est un pivotant, le joie. Qu'est-ce que tu penses entre voilà le pivotant, le bouclier? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, le pivotant, bah, ça, c'est un confort personnel qu'on veut t'offrir ou pas. Ça n'a pas de vertu de sécurité. Forcément, souvent, les pivotants sont un peu Confortable. voilà. Et c'est confortable pour le parent, pour l'installation, en fait. L'avantage du pivotant, c'est qu'on met, donc, on met le siège face à la porte quand on installe, qu'on retire l'enfant. C'est plus facile pour le déposer. Souvent, il y a un âge en plus où les enfants n'ont pas très envie d'aller en voiture, ils bataillent un peu, donc face à ça, c'est plus facile. Et c'est aussi plus facile pour régler le harnais, souvent quand on est face, pour tirer sur la sangle, pour régler les épaules. Donc oui, c'est un confort d'utilisation. Maintenant, si on n'a pas le budget pour ça, voilà, ça n'a pas de vertu de sécurité. Il ne faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Ensuite, le bouclier, bah, le bouclier, c'est uniquement face à la route. C'est un bon système de sécurité, mais c'est plutôt du coup pour les plus grands. D'accord. Le bois à la route, c'est au moins bien, au moins 8 à 2 ans, voire beaucoup plus. Donc ça peut être en transition d'un siège de route. Quand on passe face route, on aura le choix entre le harnais et le bouclier. Vraiment, il y a des vertus positives et négatives sur les deux. C'est vraiment à voir en fonction de son enfant, comment, avec quoi il est mieux. Si par exemple, il retire souvent les bras de son harnais, bah, avec un bouclier, ça peut être une option. Alors qu'il peut ne pas apprécier le bouclier, sentir mieux. Franchement, faut essayer, en fait. Faut essayer. Mais c'est pour les plus grands. Je veux dire que c'est pour les plus grands. De route, il n'y a pas de bouclier. Il n'y en a pas besoin. Donc voilà. D'accord, donc plutôt à partir de 3-4 ans même. Ouais, au-delà, entre 2 et 4 ans, en gros. C'est la tranche de 4 ans souvent. D'accord. Ça peut être pour une deuxième voiture. Les gens achètent ça des fois. Ils ont un deux roues dans leur voiture. Ils ont un bouclier dans la seconde voiture pour un enfant de 2 ans. D'accord, ok. Ah, j'ai une question. Ma fille a 30 mois et fait 16 kilos. Quel siège auto devrait-elle choisir qui durerait dans le temps? Du coup, c'est Alors, un évolutif. l'idéal, ce serait un deux routes, mais vous allez me dire que ça ne va pas durer dans le temps. L'idéal, à son âge, ce serait quand même encore d'être dos à la route. Donc, il y a des modèles qui vont jusqu'à 25 kilos dos à la route et qui sont excellents. Donc, vraiment, la première recommandation pour moi, ce serait celle-ci. La recommandation juste après, en dessous, ce serait donc un siège face à la route, mais du coup, de groupe 1, 2, 3. Donc, il va être groupe 1 sur la première partie jusqu'à 18 kilos. C'est-à-dire qu'il va être soit avec harnais, soit avec bouclier, donc avoir la marque que vous préférez. On aura des très bons harnais chez Brutax ou chez JV, par exemple. Et on va avoir des bons boucliers plutôt chez Subex, maintenant, à l'heure actuelle. Et aussi chez Joie, il y en a d'ailleurs. Donc, on peut regarder du côté des boucliers ou des harnais en groupe 1, 2, 3. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas la passer à la ceinture, malgré qu'à partir de 15 kilos, légalement, elle est grande. Elle est trop jeune encore. Elle est beaucoup trop jeune pour la ceinture. Donc, il faut faire le choix soit d'un harnais, soit d'un bouclier, jusqu'à 18 kilos pour un siège passe-route. Et si c'est un deux-roues, il y en a qui vont jusqu'à 20-30. C'est vraiment idéal. Après, on peut faire des recommandations plus précises si elle vient sur le groupe de l'association, du coup, voyager dos à la route. On peut, avec ses critères, son budget, la guider plus Ouais. précisément, plus profondément. Ok, d'accord. Ben on a déjà parlé du doigt à la route, mais j'ai une question qui est revenue, c'est est-ce que l'enfant il est confortable dans cette position? Évidemment, en fait, ce qu'on oublie très souvent, il y a plusieurs choses à savoir pour le dos à la route, c'est que déjà, donc, comme je disais tout à l'heure, les sièges de route sont conçus pour les enfants. Donc, ils ont déjà un recul qui permet de l'espace pour les enfants. Certains un peu moins. Peut-être l'inconvénient du spin, ça peut être ça, c'est que ce siège pour l'installation, il est collé sur la banquette. Donc, il a un peu moins de recul pour les gens. Ouais, Après, ça la position de confort pour l'enfant, souvent, c'est quoi? Regardez vos enfants quand ils jouent dans leur chambre, quand ils sont à table, quand ils sont sur le canapé. La position de confort des enfants n'est pas la nôtre. Ils sont constamment à genoux, en tailleur, une jambe sous les fesses, pliés en quatre. Les enfants sont souples. Leur position de confort, c'est plus souvent d'être les jambes repliées, les jambes en tailleur. Pour plusieurs raisons, déjà parce qu'ils peuvent, ils sont souples. Pour jouer par terre, c'est plus habituel. Moi, je sais que si je joue 1 heure avec eux par terre, je vais vite avoir besoin de me lever. Mais eux, il n'y a pas de souci. L'autre raison, c'est quand on est petit, et ça, on connaît le problème, quand on n'a pas les jambes qui touchent par terre, face à la route, c'est pas plus confortable en vrai. C'est comme s'asseoir sur un tabouret de bar, on n'a pas de repose-pied. Les jambes dans le vide, c'est très inconfortable. Donc, dos à la route, on a cette chance de pouvoir être
Attention, on ne parle pas d'avoir les jambes repliées sur soi-même, mais souvent on est en position en semi-flexion. On est un peu en grenouille. Comme dans un hamac, vous vous mettez dans un hamac, c'est souvent, vous avez rarement les jambes tendues comme ça. Vous vous mettez en position de semi-flexion et ce n'est pas inconfortable du tout. Voilà. Ok. Donc, faut, voilà, on a beaucoup d'idées reçues, il faut se rassurer là-dessus. Alors, il y a des questions qui arrivent. Nous avons. Est-ce que les rehausseurs sans dossier sont toujours autorisés parce qu'on en voit encore en vente? Alors, ils sont autorisés, oui, parce qu'en fait, malheureusement, tous ceux qui étaient déjà prévus et conclus avant ne sont pas sortis du marché. Les nouvelles, quand on met en place une nouvelle réglementation, elle va concerner que les nouveaux produits mis sur le marché. Donc, les marques aujourd'hui ont le droit d'en produire, mais uniquement pour les de plus de 22 kilos et 125 cm. Les bourses sont étiquetées plus de 22 kilos et plus de 25 cm. Les anciens qui ont été conçus et vendus dans le sur le marché, bah, ils ont le droit de rester là. Donc, ils vont en rester un certain temps avant que les anciens bah, voilà, arrivent en fin de stock et soient utilisés. Pour les nouveaux, bah, effectivement, ils sont limités à un poids plus important, mais ils sont quand même toujours autorisés. Dans tous les cas, ils sont globalement déconseillés, vraiment déconseillés. C'est toujours moins sûr pour votre enfant de ne pas avoir de dossier. Ça ne protège pas la tête, ça ne protège pas les côtés du corps. Ça ne guide pas la ceinture si on n'a pas de dossier au niveau de l'épaule. C'est vraiment important qu'elle soit bien placée. Et ça n'offre pas une bonne posture de sommeil. Malheureusement, sur un sans dossier, on peut démarrer le trajet en posture très bien et rapidement se glisser, s'effondrer, glisser avec son siège. Donc, si on n'a pas de contraintes, c'est-à-dire des fois trois enfants dans une voiture sur la place centrale, on peut avoir des contraintes et ça peut se comprendre et ce sera un moindre mal d'ailleurs au milieu. Hein, que le siège au milieu a moins de risques de collision sur les côtés. Si on n'a pas cette contrainte, on ne fait pas le choix d'un sans dossier. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le groupe 0 Plus Yo-Yo by BeSafe? Alors, le siège BeSafe, c'est un, enfin, du coup, il est vendu sous la marque BabyZen, mais c'est le siège BeSafe. C'est un très bon siège. Donc, c'est un siège, en effet, 0 Plus, nouvelle réglementation. Donc, voilà, c'est un excellent siège en sécurité. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller et l'utiliser pour votre bébé. Ok. Autre question. Est-ce indispensable de fixer les adaptateurs guides de la base ISOFIX? Quel est l'intérêt de cet accessoire? Alors non, c'est pas indispensable. C'est juste que des fois, les ISOFIX sont un peu loin. Et quand on met ces petits plastiques, c'est plus facile de viser. En fait, on met d'abord les petits plastiques, ça va écarter. En fait, les petits plastiques vont écarter la mousse de votre piège, s'accrocher. Et donc après, quand on arrive avec la base, on y va direct. Maintenant, si on voit bien les ISOFIX ou si on est un peu doué avec ses mains, on peut très bien le faire sans. Ça n'a pas de vertu de sécurité. C'est juste un aide. Oui. Moi, mes sièges de voiture sont hyper rembourrés. Du coup, on peut pas les attraper sinon. Voilà, c'est ça. Sièges pivotants marque Axis Groupe 1 sont-ils assez inclinés pour dormir? Alors, l'Axis première génération, si c'est la version à fixation ceinture, c'est un très vieux siège aujourd'hui. Moi, je ne vous le recommande pas pour deux raisons. Déjà, ces tests ne sont pas excellents entre nous. Ils commencent à dater. Ce n'était pas un mauvais siège, c'était un siège assez moyen. Et plus il date, et moins il est performant. Et en plus, il est uniquement face-to-face. Donc, passer un enfant face-to-face, comme on a dit, ce n'est pas bon. Et donc, celui-ci, niveau inclinaison face-to-face, voilà, on va avoir un petit bébé à partir de 9 kg là-dedans. Et ce n'est vraiment pas sécurisé. Ce n'est pas un produit qui est recommandé par Sécurange. D'accord. Après, il faut voir. Alors, si elle parle de l'Axis Fit, c'est la nouvelle réglementation. Lui, il s'utilise d'eau à la route et il manque énormément d'inclinaison. Donc, pas avant au moins 10 mois. Sinon, vous allez avoir des problèmes de tête qui tombent. On l'a quasiment dans 9 cas sur 10 de témoignages. Ça manque d'inclinaison. Ok. Alors, on a déjà répondu à la question, mais tu peux faire un petit récap. Comment je sais que mon bébé ne doit plus aller dans son cosy? Donc, comme on le disait tout à l'heure, normalement, vous n'hésitez pas, la vidéo restera disponible. C'est important de savoir qu'on sort du cosy quand on a atteint le poids max indiqué par le siège, le plus souvent 13 kg, mais regardez bien votre étiquette, ça peut varier d'un siège à l'autre. Et quand on a atteint la taille max, donc une taille qui est clairement indiquée sur le siège, 83 cm sur le modèle qu'on a montré. Moi, si ce n'est pas explicite, il ne faut pas que la tête dépasse du siège. Les pieds, ce n'est vraiment pas grave. Ils vont dépasser tôt ou tard de n'importe quel siège. Et la tête, elle doit toujours être bien dans l'enceinte, ce qu'on appelle la tétière. Elle doit toujours être bien protégée.
C'est là que je change. Ok. Alors, est-ce que tu peux donner ton avis sur la coque iGEM de joie, s'il te plaît? Alors, c'est une Merci. coque bien notée au crash test. Voilà, elle a d'excellentes notes, donc pas de soucis de sécurité. Elle est peut-être un peu petite, si on a un petit gabarit de bébé, ça ira très bien. À voir si on a plutôt un gros bébé, elle peut être un peu plus limitée dans le temps. Maintenant, voilà, elle sera quand même sûre et simplement, il faudra peut-être changer un peu plus tôt de la coque au siège de deuxième âge. Ok, merci bien. Alors, ensuite, moi, je m'étais mis comme question les tarifs des sièges auto. Oui. Entre ceux qui sont vendus en grande surface, ceux qui sont en magasin spécialisé, ceux qui sont vendus sur Internet, est-ce que, on l'a un petit peu dit en introduction, mais est-ce que le prix a son importance? Est-ce qu'il faut faire attention à ça? Surtout en grande surface, je pense plutôt à cela. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors oui, effectivement, il y en a pour tous les prix sur le marché du siège auto, de l'entrée de gamme, du très haut de gamme. On n'est pas obligé de s'offrir le très haut de gamme. Vraiment, il y a de très bons sièges à des prix intermédiaires. En entrée de gamme, c'est vrai que c'est plus limité, mais il y en a. Après, ça dépend dans quelle classe. Je vous disais, sur le groupe bébé, sur la coque, on a par exemple ici une coque à 40 euros, par exemple, celle-ci, et elle est très très bien. Ça, c'est une coque qu'on trouve en grande surface. C'est très bien noté au crash test de la marque Nania, du coup. Elle est excellente au crash test. Elle est très bien pour les petits dès la naissance jusqu'à facilement 18 mois parce qu'elle est très grande. Donc ça peut être un bon investissement des fois pour soi, pour une deuxième voiture, pour chez papa et mamie. On a beaucoup de gens qui achètent ça. Même pour garder un enfant à la route longtemps, ça peut être pas mal. Après, sur les rehausseurs aussi, on a pas mal de petits budgets. On peut trouver des rehausseurs à 40 euros, à moins de 100 euros. On trouve déjà pas mal de bons réducteurs. Même chez les marques, chez Britax, on va trouver chez les Bétonfort aussi des rehausseurs à une centaine d'euros. Donc, on arrive sur des budgets raisonnables. Là où, en effet, ça se complique un peu, c'est sur le siège intermédiaire. Aujourd'hui, en termes vraiment de produits entrée de gamme, on n'a rien de plus payant. Il faut plutôt taper sur le milieu de gamme à minima. Il faut compter à peu près 250 euros de budget moyen pour le siège intermédiaire qui va faire à peu près 4,50 de gabarit. C'est plutôt sur ce budget-là qu'il faut anticiper un peu sur vos listes de naissance, sur vos cadeaux d'anniversaire. C'est là où il faudra peut-être vous faire aider. Après, ça peut monter à 600 euros. Hein. Il y a du haut de gamme, mais déjà à 250 euros, très bien. Donc non, on n'est pas obligé d'émettre des milliers et des cents, mais oui, il y a quand même un petit minimum à investir. Et tout ce qui va être low cost, tout ce qu'on va trouver sur Amazon, AliExpress, grande surface, malheureusement, pour cette gamme-là, je vous déconseille. D'accord. Et après, on peut peut-être trouver, entre guillemets, une affaire sur une ancienne collection et puis qui convient. Sur la bonne promo, souvent les sièges auto aujourd'hui ça marche un peu comme la mode, il y a les coloris de l'année dernière, donc on peut tomber sur une bonne affaire et ne pas hésiter à zioter les promotions, les soldes, effectivement, il n'y a pas de problème avec ça. Attends, je regarde les questions. Bon, celle-ci on a déjà répondu, donc je vous invite à regarder le live depuis le début. C'est pourquoi faut-il privilégier une coque plutôt qu'un siège évolutif utilisable dès la naissance avec réducteur? En deux mots, en gros, le siège coque a été conçu pour un bébé. Donc, en fait, il a les bonnes dimensions parfaites sans avoir besoin d'une centaine d'accessoires et de réducteurs. Il a souvent juste un petit insert pour les premiers temps. Il a été conçu en taille, en gabarit, en corpulence. La sécurité sera toujours meilleure dans une coque parce qu'elle a été prévue pour le bébé. Mais je donne plus d'infos dans le live, n'hésitez pas à le revoir. Et moi, j'avais une dernière question. Est-il possible d'acheter de l'occasion sur les sièges auto? Ah ben voilà, il y a exactement la même question qui vient de s'afficher, tu vois. Merci Rose. Ouais, mais je voulais noter la même, ouais. De préférence, non. Voilà, de préférence, non, parce que en fait, ça va dépendre d'où ça vient. C'est-à-dire que si vous êtes absolument sûr de l'origine du siège, quand c'est de la famille, si vous êtes sûr que le siège n'a jamais été accidenté, si vous êtes en mesure de le déballer, de regarder l'état des polices sirènes, de dérousser le siège, et que vous êtes vraiment sûr, voilà, de l'historique du siège. Oui, quand on achète malheureusement sur le bon coin, on ne connaît pas l'histoire du siège, on ne sait pas s'il a été accidenté. Il ne faut pas oublier qu'un siège auto qui a subi un choc, le moindre, c'est-à-dire même à 10-15 km/h, il faudrait le changer. Parce que le siège a été fragilisé, c'est comme un casque de moto hein, ou un airbag, ça ne sert qu'une fois. Un siège auto, c'est pareil, ça ne sert qu'une fois en cas d'accident. Ouais. Sinon, on évite
Ça, on ne sait pas non plus comment il a été utilisé, peut-être qu'il a été mal utilisé, qu'il a été mal fixé, et du coup, il a pu être légèrement abîmé. Ça ne se voit pas forcément toujours à l'œil nu, les micro-fissures ou les micro-lésions, ça ne se voit pas. Il n'y a qu'en cas d'accident que vous le voyez. Et on ne sait pas non plus comment il a été entreposé. Il a été stocké dans un endroit humide, dans un garage, dans une cave. Voilà. On n'a pas d'historique, donc il y a toujours une part de risque. Donc vraiment, ça va dépendre si on sait d'où il vient ou pas. Ok. Alors j'ai une autre question. Est-ce que les sièges vendus en grande surface ou type Formula Baby sont crash testés? Certains, oui, d'autres pas. Malheureusement, les crash tests, c'est 2 fois par an, fin mai, donc il y a bientôt, et fin octobre, et ils piochent sur le marché une vingtaine de produits 2 fois par an. Donc, ils prennent beaucoup de sièges, et tous ne sont pas testés, et ça a un budget vraiment non négligeable. Donc, certains ont été testés, malheureusement, les notes globalement sur ce type de produits ne sont pas excellentes. Mais en plus, souvent, il y a des marques, genre la Formula Baby, qui sont en plus. C'est le même produit vendu sous plein de noms différents. Donc, il se peut qu'il ait été testé, mais sous un autre nom. Parce que, bah, voilà, la marque le vend sous plein de noms différents. Quand il est vendu chez Auchan, quand il est vendu chez Carrefour, quand il est vendu chez, Autour de Bébé, il ne porte pas le même nom, alors qu'en fait, c'est le même produit. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de retrouver la bonne référence seulement elle a été testée. Mais c'est le même fabricant en fait. Voilà, c'est le même fabricant. Et pour des idées de concurrence, de marché, et il est vendu sous des noms différents pour éviter la concurrence. D'accord. Ça peut être un peu compliqué pour investiguer. Moi, j'ai fait le tour des questions. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Marine? Regarde, s'il y avait d'autres questions, ça en a répondu. Ouais, est-ce qu'on a des sièges pas trop chers à recommander? Ben ça va dépendre de l'âge, du poids et de la taille de l'enfant. Il faut nous donner plus d'infos et ne pas hésiter à se tourner vers l'association Voyager de la route by Sécurance. Je vais vous donner tout. Vous donnez le budget, le poids, la taille de l'enfant, votre voiture, si vous avez mis le fixe ou pas, et on vous aide justement, on vous guide là-dessus. Est-ce que j'ai d'autres questions? C'est vrai qu'on a brassé beaucoup de sujets, on a parlé du deux-roues, c'est vraiment très important. S'il y a une chose qu'on n'a pas dit, que je vais redire 100 fois, c'est ouvrez la notice de votre téléphone. Beaucoup trop d'utilisation et d'installation, beaucoup, beaucoup trop. Et la plupart des choses sont dans la notice. Je suis d'accord, c'est barbare, c'est pas souvent facile, mais ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup parce que. Le meilleur siège auto mal installé, malheureusement, il perd en efficacité. Les marques font beaucoup de vidéos aussi. Servez-vous des vidéos d'installation. Et Ouais. nous aussi, on peut vous aider. N'hésitez pas, si vous avez un doute, d'envoyer une photo à la marque en question ou à l'association Sécurange pour qu'on puisse regarder et qu'on puisse vous dire, bah voilà, non, là, ça va pas, vérifiez. Il y a encore énormément, énormément d'erreurs d'utilisation des produits. Voilà. Est-ce que tu peux justement nous faire un récap de ton site, ton Instagram, comment te contacter, si tu peux tout nous expliquer, et aussi vous avez des bénévoles sur toute la France. Exactement. Donc, il y a le site sécurange.fr hein, qui est le site de base. Il y a le blog Sécurange, le blog. Là, on trouve un peu d'actu, des tests produits, voilà, des comparatifs. Sur le site Sécurange, c'est plutôt tout ce qui est réglementation, les meilleurs sièges auto. Ouais, c'est plus tout ce qui est réglementaire, comment bien choisir. C'est plutôt des guides, plutôt des tests. Ensuite, on a effectivement l'association Voyager d'eau à la route, VDR by Sécurange. Donc là, bah, c'est ce qui nous permet, avec une quarantaine de bénévoles partout en France, de faire des interventions. Si vous avez une crèche, une école, une maternité, si vous êtes pédiatre, on peut accrocher des affiches, vous envoyer des prospectus. On fait beaucoup de prospectus, on peut distribuer, on peut en envoyer. On peut devenir adhérent de l'association pour 10 euros par an. C'est pas grand-chose, mais nous, 10 euros par an, ça nous permet surtout de financer l'impression des flyers. C'est surtout ce qui nous fait le plus cher aujourd'hui, imprimer des flyers. Donc, n'hésitez pas à devenir adhérent pour nous aider. Et puis, donc, il y a le groupe de l'association, il y a la page Sécurange du groupe Facebook, là, où on relaye tous les articles, toutes les nouveautés. Et le groupe de l'association, le groupe Facebook, Voyager d'eau à la route, où vous pouvez venir en expliquant ce que vous cherchez. Ça peut être une photo de l'installation, mais ça peut être j'ai tel budget, mon enfant a tel âge, tel poids, qu'est-ce que je dois prendre comme siège. On peut vous aider, les bénévoles sont connectés en plus de leur vie privée, donc laissez un peu de patience, pas à attendre quelques jours. Donc, coupez un peu vos questions, n'attendez pas le dernier moment parce que bah voilà, elles n'ont pas toujours le temps de répondre à la seconde, mais elles répondent à tout le monde. Elles répondent à tout le monde. Ok. J'ai encore une autre question sur le stockage, justement. Comment le stocker? Est-ce qu'il faut l'emballer dans une pièce non humide? Oui, Quoi? s'il faut éviter l'humidité, si vous pouvez l'emballer, c'est bien. Donc éviter ouais, les zones humides, les zones trop chaudes. C'est-à-dire s'il reste en plein soleil, forcément le polystyrène, au bout d'un moment, il va Ouais, devenir,
les méandres du temps. Il est prévu pour durer quand même un certain temps, c'est-à-dire que vous pouvez le laisser dans votre voiture quand vous l'utilisez pendant 4 ans. Maintenant, si c'est celui du siège de frère d'avant et du frère d'avant, qui a été longtemps entreposé dans une cave ou dans une voiture en plein soleil, posez-vous la question quand même, ça vaut le coup peut-être de le changer. Mais voilà, bien entretenu pour deux enfants, ça peut tout à fait faire le job et bien stocké dans un endroit sec, sans problème. Et j'ai une dernière question. Y a-t-il une marque de siège auto particulièrement meilleure que les autres? On doit te la demander tout le temps, celle-ci. Techniquement, non. Chez toutes les marques, il y a des sièges plus ou moins bons. Ils ont tous en fait des gammes, des hauts de gamme et du bas de gamme dans leur sélection. Après, on va dire que les marques, globalement, les marques scandinaves s'en sortent toujours mieux. Tous ceux qui proposent des sièges dos à la route, donc des marques comme BeSafe ou Axkid, qui sont des marques dédiées au dos à la route, les marques comme Clipan, voilà, vont être des marques de sièges qui ont été, donc qui viennent pour la plupart de Suède, de Norvège, de Finlande, et qui sont des pays qui sont très à la pointe de la sécurité et qui ne s'éparpillent pas dans des milliers de modèles, ni dans des sièges évolutifs, ni dans des sièges… voilà, ils conçoivent du dos à la route et ils font juste ce segment-là et ils le font bien. Donc, ça leur évite de se disperser et de concevoir des sièges plus low cost ou des sièges où ils font des compromis. Ils ne font pas trop de compromis, en fait. Donc, globalement, ils ont plus de sièges bien notés dans leur sélection. Après, voilà… Connus que quoi, genre du Bébé Confort, du Skibet, du Britax, toutes ces grandes marques, du Concorde, Janet, ils ont tous des bons sièges et des moins bons sièges. Donc vous fiez pas à une marque en mode on m'a dit que Skibet c'était génial, on m'a dit que Bébé Confort c'était top. Regardez les tests et cas par cas. Ok. Puis après, il y en a qui investissent davantage que d'autres aussi, peut-être dans la R&D. C'est ça. Ils ont tous un cahier des charges minimum. Certains sont contents et d'autres visent déjà plus haut de base. Donc oui, et puis certains ont le budget d'aller en R&D, comme tu dis, et de développer. On se plaint souvent des prix des sièges auto, mais grâce à ces marques-là, en effet, au départ, c'est cher. On commence à développer des nouvelles technologies qui, après, vont devenir accessibles à tout le monde à un moment donné. Donc il faut que ces marques investissent, il faut que ces marques investissent un temps. Les sièges, moi je les ai vus en 7 ans de sécurité, j'ai vu le prix baisser sur certains modèles. C'était à l'époque très cher, les Isofix à la base ça coûtait très très cher. Aujourd'hui il y a des sièges entrées de gamme Isofix. Donc il faut à un moment donné que les marques investissent, les marques proposent des produits chers pour que ça devienne en temps de accessible à tout le monde. Moi, je pense au bébé confort avec les airbags, etc. Le modèle avec les airbags a été vivement critiqué. C'est un modèle à plus de 600 euros. Mais s'il n'y a pas une marque à un moment donné qui investit énormément dans la recherche, le développement de ces produits-là, malheureusement, ça ne deviendra jamais grand public. Alors que là, bah voilà, c'est sorti. Un jour, peut-être qu'on en trouvera de façon commune à des petits budgets. Exactement. Je remercie ces marques d'investir. Bah oui, c'est vrai. Il en faut. Je regarde l'heure et l'heure est bien passée, hein. Il va falloir qu'on se quitte. Je te remercie Marilyn pour cet échange, c'était hyper intéressant. N'hésitez pas à aller sur le site de Sécurange, le blog, vous renseigner. Et c'est Dos à la route, qu'est-ce que tu m'as dit? Dos à la route, plus longtemps possible. Ah, les voyagers Dos à la route, l'association Voyager Dos à la route, et le site c'est sécurange.fr. Et les meilleures marques, vous les trouvez sur le site de Sécurange pour ceux qui cherchent. Les meilleures sélections, vraiment, n'hésitez pas à y aller, il y a tout dessus. Ok, bon, c'est parfait. Je te remercie. À très bientôt, j'espère, on pourra se refaire un live. Quand tu veux, on se refait un live, on peut faire un sujet spécifique. Bon, génial. À très bientôt, merci de nous avoir suivis. Et puis, j'espère qu'on va continuer les lives. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et on vous tiendra au courant du programme. Merci beaucoup. Avec au revoir. Plaisir.